salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, accompagné cette fois-ci de Abby et de Owen 3 ans plus tôt. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, un petit casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, surtout profitez au maximum de la qualité qui vous est proposée, parce que je peux vous dire que des let's play en 4K 60 FPS en 2020, vous en verrez très très peu. Donc là, on parle de Pepitas del Pepitos, donc amusez-vous et surtout, si vous vous êtes amusé, faites-le moi savoir avec un petit j'aime et un petit commentaire, ça vous savez que ça me fait toujours plaisir. On est donc dans une phase de flashback. On a une nouvelle intrigue, Owen aurait tiré sur Danny une balle dans le ventre et l'aurait tué pour protéger un Scar. On revient donc 3 ans plus tôt pour connaître un petit peu les affinités entre Abby et Owen. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé entre eux deux, pourquoi ils sont séparés, pourquoi il a fait un bébé à Mel, etc. etc. Et j'avoue que le Owen, je l'ai toujours bien aimé, il a toujours été sage, même depuis le début du jeu, même avec la phase de Joël. Okay. C'est lui qui s'est rebellé contre les autres pour ne pas tirer sur Ellie et ne pas tuer Ellie, donc Owen pour le coup j'ai rien compris, même s'il est mort dans la transition, c'est très bien comme ça. C'est quoi cet endroit? On dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons quoi. Oh, oh, oh. Tu te prends pour un coq? Quoi? Je fais le loup, c'est mon Creed Wolf. T'es trop bête. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Tu veux jeter un œil? Ok. J'espère qu'il n'y a personne dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Un maillot. Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les Wolves. Ouais, ou des Scars les ont tués. Toujours aussi optimiste. Oh, la bouche. La bouche des humains, sa mère. Le chien, il est grave stylé. Mais les humains... Eh, ils ont pensé à l'ombrage et tout, hein, pour les chiens, en vrai. Hein. Ils ont pensé à l'ombrage. Par contre, la gueule des darons et du gamin. Ok. On prend pas de fringues, on prend rien à ramener au camp. Non, on se casse. On se casse. Ça a pas l'air... Ça a pas l'air. Allez, on a fait le tour. On continue à visiter les eaux des poissons? Tu crois qu'il y a autre chose? Bien sûr. On y va. Vas-y, pousse-moi, hésite pas. Alors, tu veux aller où? Emmène-moi. Il a l'air de connaître, hein, mine de rien. Il me prend un petit peu pour un abruti, là, celui-là. Ce qui est bien, c'est que je l'ai arraché dans l'aquarium. Donc, comme quoi. On peut aller à droite. À droite, il n'y a rien. Mais surtout, on peut aller à gauche. Et là, ça va être très intéressant. Caméra des familles, c'était pour filmer les spectacles. On adore. Et si t'essayais par là? Aide-moi à monter. Eh, m'emmène pas dans un guet-apens, hein, gros. Hein. Viens là. Ok. Oh, la vache, t'es balèze? Ah ça, ah ça. J'ai soulevé 90 kilos hier. Hop. Dans tes rêves. Les commentaires en sueur, hein. Les viewers en sueur. Plus baraque que votre daron. On rentre direct. Ouais. Sauf que tu vas halluciner, tu vas me supplier de rester. Ça risque pas. On verra. Il y a des poissons là-dedans? Ah non, si personne n'est nourri, frérot. Je me demande s'il y en a qui donnent sur l'océan. Il n'y a pas grand monde, hein. Oh la vache.
Waouh, on voit pas ça tous les jours. What the cachalot ? Oh. C'est dingue. Celui que j'ai vu était pas en bronze non plus, donc. On a vite fait quelle épaisseur. C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit rempli de monde, avec des enfants qui couraient partout. Mon père adorerait cet endroit. Ouais. Il serait comme un fou là-dedans. Ouais. Cet endroit sera mon royaume. C'est chez moi. Viens quand tu veux. Oh, t'es sûr de ça? En fait, pas vraiment. Je vais attendre de voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Tu commences mal. Ok. Je suppose qu'on va visiter un petit peu tout cela. Un photo center. Ah oui, c'est là où les photos sont vendues à 35 euros unité. Quel plaisir. Quel plaisir. Est-ce qu'on peut pas se faire un petit kiff là? On met la tête. Attends. Vous croyez que ça peut passer en vrai? Ah merde. Quel dommage. J'aurais voulu avec la caméra qui est un délire. Ah, quoique avec le mode photo peut-être. Pas perdre plus de temps que ça, mais qu'est-ce qu'on a là? Tiens, regardez-moi ça. Max Place chez Max. Ok, on peut ouvrir, mais il y a aussi en haut. Alors, on va aller voir en haut. Peut-être qu'il y aura une interaction avec avec ce cachalot. C'est énorme. Hein. C'est et il faut absolument qu'on amène les autres ici. C'est ça, en les incitant à désobéir eux aussi. Je crois que ça valait ah, le coup. Ah putain, mais... On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. Ha! T'adores cet endroit. La ferme. Allez, viens, follow. Je sais pas s'il faut aller en haut ou en bas, c'est très très chiant, comme d'habitude. Oh! Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. Ah, il y a un petit effort qui a été travaillé sur la bouche, ça fait plaisir. On va rentrer là-dedans. Je sais pas si c'est en haut ou en bas. Bah, fermé. C'est arrivé, c'était en haut. Très bien. Bon, on a au moins une petite interaction. Allez, on va en haut. Donc, on va voir un petit peu ce qui se cache. En tout cas, c'est la première fois qu'ils découvrent donc un aquarium, parce qu'ils appellent ça un zoo de poissons. C'est vrai qu'avec un peu de recul, c'est pas con ce qu'ils disent. Finalement, un aquarium, c'est quoi? C'est un zoo de poissons. en version, comment on peut appeler ça? Vulgarisé? Non, oui, on dit vulgarisé, il me semble. Tiens. Ah ouais, mais en fait, il y a une famille qui s'est posée là au calme. Ah ouais, mais tellement au calme qu'il en est mort. Bah alors, mon frérot? Long doigt, sa mère! Je crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. Alors. Papa, j'amène Max loin d'ici. Il peut pas passer sa vie enfermé dans ce bâtiment en décomposition. Il ne fera qu'hériter de tes faiblesses. Quand les soldats ont tué maman, t'es resté planté là comme un lâche. C'est pas un exemple à suivre. T'aurais dû te mettre en colère. T'aurais dû leur faire mal. Autant qu'ils lui en ont fait. Je veux que Max puisse voir des gens se battre pour ce qu'ils veulent et faire quelque chose de leur vie. Le monde est rude. C'est à nous de le changer. C'est seulement en étant faible que ma véritable force apparaît. Peut-être qu'on reviendra un jour. Si c'est le cas... J'espère qu'on te retrouvera pas encore assis dans ton fauteuil. Dans ton putain de fauteuil d'ailleurs, pour être plus précis. Ces enfants sont allés rejoindre Nescar. Bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre Nescar. Pourquoi? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah, dans les zones de quarantaine, les Lucioles sont considérées comme des terroristes, des fanatiques. Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok? Ok, d'accord, ça va. Ok. Il a pas tort pour le coup. Alors,
Tu respectes ton père, c'est tout à ton honneur, mais tu dois comprendre qu'il cherche à te manipuler, à te faire croire que tu es encore un enfant, car il a peur que tu agisses comme un homme. Tu mérites de vivre dans une communauté capable de porter un esprit aussi fort que le tien. Et Max encore plus. Il est très impressionnable. Si tu tiens ton frère, tu dois l'éloigner de ton père avant. Ok. Qu'il hérite de tes faiblesses. Nous repasserons à l'aquarium dans 5 jours. Si tu veux nous rejoindre, allume une torche sur le quai et nous nous y amarrerons. Puisse-t-elle te guider ? Ok, bon, les Scars savent écrire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne communique pas spécialement qu'en sifflant. Mais effectivement, ils réagissent un petit peu comme une secte. MDR, on n'est qu'à un tiers du jeu. Et aux 2 tiers, on dirige un Scar. Et on connaît toute l'histoire des Scars. En vrai, ça serait ouf. Ça serait le move le plus incroyable que j'ai vu dans un jeu vidéo. De jouer les 3 camps, ça serait juste incroyable. Mais ça m'étonnerait, je pense pas, hein, pour être honnête avec vous. Mais avouez que ça serait quand même assez cool qu'on intègre les trois camps. Ça serait insane, ça serait une bonne surprise. Allez, fais-nous rêver, Owen. C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Celle-ci. Non. Ou alors... C'est bon. Oh, ça a dû prendre une éternité de peindre ça. Ah mais en fait, ça a peint tout l'aquarium. Découverte du grand large. Ok, hop, petite cascade. On n'oublie jamais les cascades ici, hein. On est fan de cascades. Ah, double cascade. Ok, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas qu'on va descendre par là. Allez. Owen... Après, j'arrête. C'est promis. Promis ? Évite de... regarder en bas. Oh... Descends. Ça va aller. L'effet, là, quand on regarde en bas, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Ils ont bien pensé la chose. Regardez. Dès que je regarde en bas... Ça fait... C'est un effet connu. En fait, la caméra avance mais recule en même temps. En fait, il y a un zoom qui se fait, mais la caméra recule en même temps. Vous avez compris ou pas? J'ai peut-être totalement de la merde, hein, s'il y a des photos. Veuillez m'excuser, mais j'avais déjà reproduit cet effet. J'étais réalisateur, hein, de quelques grands films. J'aimerais trop rencontrer ce gamin. Et j'avais fait des effets comme ça. En fait, vous zoomez, mais vous reculez en même temps votre téléphone. Faites-le chez vous. J'espère. Je veux que tout le monde le fasse immédiatement. Parce que ça a commencé à m'énerver, je vais commencer à bouillir. Pas mal ta forteresse, Max. C'est vachement bien foutu. Wow. Allez, amène-toi. C'est régalé. Hey. Je suis moche. Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles, mais... Mais Joël est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait ?
On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Oh. Vas-y, toi. Et toi, alors ? Je vais regarder les phoques un petit moment. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Et si Owen s'était caché ailleurs ? Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire opérer. Bon! Bah là, il va me falloir clairement 3 jours. Non. Soit à peu près 15 épisodes. Il faut que je le retrouve. Enfin, s'il a vraiment tué Danny. On s'en fout de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Hé, Abby. Essaie de le faire entrer. J'apprécie que tu m'aides, filer en douce. Tu vas y aller comment à l'aquarium ? Par l'autoroute ? Non, il y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Il suffit de suivre le soleil, pas vrai ? Je viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Pas avec autant de cartes dans les dents. Manny. Regardez comme c'est beau, bordel. Non ? C'est toi qui vois. Alors ! On va tout fouiller. Bon, bah, on est reparti, hein. On est reparti vraiment. Moi, ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi. Alors. Je me doute bien que certains perdent la patience et veulent directement voir la suite. N'hésitez pas à aller voir ailleurs, encore une fois. De toute façon, la meilleure des qualités, vous ne la trouverez jamais ailleurs. Mais quel plaisir, quel bonheur de parcourir ça. C'est un peu comme une série Netflix, tu vois. Alors des fois, il y a un jour, exceptionnellement tous les 3-4 jours, où je ne vais pas diffuser d'épisode. Mais justement, c'est ce qui te met dans l'attente, tu sais, t'es en mode putain, j'ai vraiment hâte. C'est ça qui est excitant. Alors que si tu bombardes le let's play, que tu vois tout d'un coup en une traite, bah tu l'auras vu et après. Et après, bah, c'est terminé. Après, c'est terminé, tu reviens à l'ascar. Tu vois, tu reviens à ta vie banale finalement, sans aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives à comprendre ça ou pas? Eh. Mets en commentaire si t'arrives à comprendre. Merci. Tu parles de ça? Ouais, de ça. Et de tout le reste. T'es un vrai pote. Arrête, Abby. C'est trop d'émotion d'un coup pour moi. Non, c'est pas un vrai pote, Abby. C'est juste une salope qui crache sur des gens qui sont morts. Le Manny, je peux pas. Je n'y arriverai pas. Encore le Owen, comme je vous disais, ça, j'ai pas changé d'avis. Il a l'air cool. Allez. Même si un peu teubé. Mais lui, là, ce chien-là... Ok. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Si tu le retrouves, ne frappe pas trop fort. Je te promets d'essayer. Sérieusement, fais gaffe à toi, Abby. Ouais. Nickel, on était juste en haut, donc on a fait exactement 1 mètre. Bon. Hein, si on oublie la hauteur, on était là-haut. Hein. Suivre le soleil. Allez, 1 mètre de fait, on va follow the soleil. Cette fois-ci, c'est seul contre l'escar. Alors qu'avant, c'était avec Ellie seul contre les WLF. Donc la roue tourne. Mais après, j'avoue, les Scars, c'est une autre paire, si je peux me permettre. Par contre, là où il y a une bonne nouvelle, c'est que finalement, les Scars, ils ont pas de chien. Ha ! Ça, c'est plutôt cool. Donc je vais pouvoir la jouer discret ou pas. En tout cas, je vais pouvoir tenter de la jouer plus discret. Par contre, Abby... Oh, c'est quoi cette odeur ? L'impression que la petite Abby, elle aura pas d'arc. Je la vois pas bander, si je peux me permettre cette petite expression. Elle a pas l'air de se battre avec un arc, donc qu'est-ce qui va remplacer l'arc? Aucune fichue idée. C'est très beau ça. Hop, des patates dans le mur là, ça m'énerve. C'est par là, pas de panique.
Et ben voilà, on a avancé, on a fait 15 mètres, je suis plutôt content. Parce que c'est tellement un labyrinthe ce bordel. Bon, on va passer par là. Une porte à droite, une petite issue. Je pense qu'on peut pas y passer. On a... Ouais, impossible de sauter là-haut, non ? Attends. Ah, Pascal ! Ouais, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était sûr. Mais on essaye. Là, évidemment, trop bas. Là, la plante. Ok, Blo. Forcément. Il va falloir que je passe par-dessus. Bon ! Ça, on prend. Va falloir que je passe par-dessus, j'ai bien compris. Mais on peut pas y passer là. Donc, la question, c'est comment passer par-dessus ? Là, y'a rien. On peut être bloqué par cette fenêtre. Ah bah voilà. Ah, ça va. Ah putain, j'ai mon masque à gaz ou pas? Ah, parce que cette fois-ci, Ellie, elle est pas immunisée. Oh, petite pièce. Oh, cool. Allez. Le Dakota du Nord. On adore le Dakota. On adore. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Alors, bonjour. Ça tombe en ruine ici. C'est bien par là. C'est bien par là. Oh là là, ça sent pas bon. Il faut rester exposé combien de temps au sport aussi pour être contaminé? Dans le sens où il n'y a pas de... Je vais foutre ma race. Dans le sens où il n'y a pas de sens inverse possible. Lâchez-moi! Ah, madame! Lâchez-moi! Bon! J'avoue avoir stressé. Eh ben, ça commence bien. Ok, là va y avoir des sports à mon avis. Hein. Et va y avoir du sport, excellent ça! Ça va swinguer. Ah non, même pas. Qu'est-ce qu'ils vont aller là, ce con? En fait, quand il y a les sports, c'est qu'il y a littéralement un nid, mais apparemment là, il n'y a pas de stop, ça me prend. Le scotch, est-ce que ça sera une denrée toujours aussi rare? Aucune. Aucune idée, ça on prend. Voilà. Ça serait. Attendez. Oh putain, c'est pas vrai, c'est des bouteilles qui sont rares. Mais attends, mais c'est une bouteille ça. Ah, mais non, c'est de l'eau, c'est du liquide. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Voilà, ça on prend, ça c'est des bons outils. Allez, on continue. Bon, peut-être. Oh, 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 oh. Ça on prend, ça c'est des bons outils. J'ai du stimulant. On va aller voir hop, à l'extérieur pour avoir un petit peu plus de place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Confectionne 2 sur 1 permettant d'éliminer furtivement la plupart des ennemis. Ils peuvent également vous servir à vous dégager de l'emprise d'un claqueur. Vous voyez que ça c'est totalement différent pour le coup. Respiration bloquée, mais là c'est le mode écoute, la portée qui est ultra intéressante. Et jusqu'à la santé améliorée en fait. Ça me... On va taffer le premier arbre au maximum pour le coup. Et après, cascade! Et après, on s'attaquera au reste. Ok, ici, forcément quelque chose là-bas. J'en suis quasi sûr. Voilà! Ça, c'est bon, ça. Regardez-moi ça. Je peux y arriver avant la nuit. Je peux même m'améliorer encore autre chose. Il faut que j'y arrive avant la nuit. Confectionner 2 sur 1. En vrai, on va prendre ça quand même. On va prendre ça, ça m'a l'air pas trop dégueu. Confection de surin, comment ça marche? Voilà. Stylé les surins en vrai là. C'est comme The Last of Us 1, non? Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. On va récupérer ce qu'on a trouvé quand même. Hop, ici. Et à part l'eau, il y avait rien d'autre? Non. Au moins, on a récupéré une petite paire de ciseaux. Ça a l'air stylé. Alors, comment ça marche? Bougez pas. Ok, en fait, c'est quand un claqueur va m'attaquer. Ouais, va... en fait, là, pour le coup, on va beaucoup, beaucoup plus être dans l'action, à mon humble avis. En fait, quand un claqueur va m'attaquer, j'aurai une chance de partir. Parce que vous savez que les claqueurs, eh ben, ça one-shot, littéralement. Dans le genre Guy de la con. Ah, vous croyez qu'on va la croiser, d'ailleurs? C'est vraiment un peu pas de chez nous. Vous croyez qu'on va la croiser, là? Cette femme totalement dingo. Où on doit suivre l'amour. Oh, c'est beau, hein, les effets de lumière naturelle. C'est pour ça que j'ai allumé la torche. Putain,
Je trouve qu'il faut tellement plus stresser que les Clickers. Leur avantage à eux, c'est qu'ils s'en battent les couilles de voir un pote. Enfin, ils ont pas de pote, quoi. T'as compris. J'ai pas compris le triangle. J'aurais dû. Mince. Quand je ferai le montage de l'épisode, je regarderai. Parce que j'ai pas compris cette histoire là de ce que je peux faire avec le surin. Peut-être une sorte de double élimination beaucoup plus rapide, je sais pas. Ok. C'est pas vrai, c'est chiant ça. C'est ce que je pensais, hein. C'est un claqueur. Lui, c'est que le son. Ça claque un max. Ah. Donc j'ai perdu un surin. D'accord, j'ai compris l'utilité. Ah ! C'est fini ? Ouais, c'était le dernier. En gros, vu que Ellie avait un petit couteau, je pouvais arracher les claqueurs sans problème. Là, je suis obligé de crafter du surin. Sinon, je peux pas tuer les claqueurs. Donc, je vais être dans l'obligation bien plus d'une fois de vérifier que mes surins sont bien là. Et ça, ça risque d'être assez terrible à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Donc, pas de soucis. Aucun problème, rien à faire là-haut. Regardez. Non. Et ça, on a fait. Bon, bah très bien, on a tout fouillé par la même occasion. En vrai, on s'en est sorti plutôt bien. Je sais pas si je préfère affronter, en étant honnête, je sais pas si je préfère affronter les infectés ou les humains. Les humains ont des armes, c'est chiant, mais les infectés, des fois, il y en a... balèze, tu vois, c'est... T'affrontes des dingueries, hein. Ok. On a avancé. Putain, on a même pas avancé, ça m'a dégoûté. De voir toujours la tour aussi loin, là. Et, oubliez pas une chose. Vous vous souvenez, à l'hôpital, les Scars, ils avaient pendu des gens de la WLF. Eh ben, j'ai hâte qu'on vive ce moment-là, là, tous ensemble, pour voir ce qui s'est réellement passé. Et elle y va avec le coude, hein. Elle a pas peur, hein. Elle a pas peur de se mettre... Ah ouais, d'accord. Non, hein. Elle met des patates là-dedans, frérot. Elle en a rien à péter. Bon, là, il y a un cop, je fais quoi? Je le fais à l'ancienne. Je le fais juste avec le son. Ah, après, j'ai un bon casque. Bon allez, on va quand même jouer le jeu, on va aller voir si on n'a pas trouvé quand même le... Oh, le petit écrit, hop, ça on prend. De toute façon, ça sera certainement juste à côté si, s'il doit y en avoir un. Alors! Je crois entendre quelque chose. Ça on prend. Ça on prend. Forcément un petit écrit, quelque chose là, non, les amis? Rien du tout? Non, mais je vais l'ouvrir quoi qu'il arrive, voilà, je vous le dis, mais quand même. Facilitez-nous la vie. Hop, ça, je sors le gun. Hein. Ça sent pas bon cette histoire. Connu ça à l'époque. Voilà, ça on prend.
Il y a un bail, c'est là à mon avis. Je pense qu'on a les clés pour le coffre-fort. Ça, on prend. Ça, on prend. Ouais, désolé. Quand ça m'énerve, je mets des patates dans le vent. C'est pour briser les tempêtes. Ça va swinguer ou quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là? C'est pas vrai. Oh, foutez-moi la paix, bordel. Les forceurs. Les forceurs. Ça va qu'ils sont aveugles. Ça va qu'ils sont que deux, d'apparence. Une balle. Ça suffit. Bon, fais chier. Fais chier, j'ai pas souvenir avoir fait du bruit. On est dans un magasin. Oh, restaurant chinois, ça, j'adore. Ah ouais, plus que quelques millions, tu l'as dit, Poufy. Très bien, ça, j'adore. C'est par là qu'on va aller, c'est ça? Ah bah, on va ouvrir le coffre. Eh, hein. Hey, on va pas se faire chier. Je sens que c'est la merde. On va pas se faire chier, on va aller ouvrir le coffre. Hop, petite cascade. Ça dépêche. Sérieux? En fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Allez, on va l'ouvrir à l'arrache. C'est la vie que j'ai choisi de mener, les amis. On va l'ouvrir juste au son. Au moins, c'est ouvert et on va pouvoir s'arrêter là. Écoutez bien, le son est un tout petit peu différent. C'est pour ça qu'il faut avoir... un très bon casque. C'est bon. Vraiment pas de bol. Voilà. Eh ben. Pas une balle un moment, mais bon, c'est la vie que j'ai choisi de mener, hein, manuel. Clairement, ça valait le coup. Entraînement au combat rapproché pour les civils. Oh non. Oh, ça va être compliqué cette petite histoire encore. Déjà un nouveau manuel. Par contre, j'ai l'impression qu'on les trouve extrêmement vite ici, en fait, pour le coup, non? Là, avec tout ce qu'il y a, je peux déjà me prendre autre chose. Et ben, on va voir ça lors du prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis d'ores et déjà, portez-vous bien. Et on se retrouve demain, si tout va bien, pour la suite de notre aventure sur The Last of Us 2. Et comme d'habitude, restons forts, les amis. Et propulsez-moi ça en top tendance. On a fait ça les 19 premiers épisodes. Ça a un petit peu ramolli après, donc on reprend du poil de la bête, s'il vous plaît. Allez, je n'y arriverai pas. On se retrouve demain. Salut tout le monde, ciao.